Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Eritor. Vous connaissez, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Voilà, max, max de partage parce qu'aujourd'hui c'est une première sur Eritor Richard TV. On parlera de Mewé et Koffi Olomide. Et on va aussi faire un débrief sur les dernières sorties de Kérosène et de Safara Lobiang, c'est-à-dire Abougor. Et Victoire Remix avec Brackets. Donc c'est très important de suivre intégralement la vidéo pour comprendre ce que je vais dire, pour comprendre si mes avis sont justes ou pas. Voilà. On parle de dinosaures, de gladiateurs, de vétérans, que fait l'homédé. Et... Mais oui, c'est juste après le générique, les amis. Restez branchés et partagez au max la vidéo. À tout à l'heure. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, à la base. Je possède, à des virements, des virements. Bon retour les gars, aujourd'hui on va parler, comme je vous ai dit en début de vidéo, d'abord de Safara Lobiang. Je veux qu'on réagisse rapidement sur le tout dernier Safara Lobiang et intitulé Abougor. Voilà, j'aimerais déjà que vous me donniez votre avis en commentaire, comment vous trouvez le son du jeune Safara Lobiang, parce que ah, mine de rien, c'est l'un des artistes coupés décalés les plus inspirés des 3 dernières années. Voilà, il enchaîne des tubes et des tubes, et espérons encore que Abougor soit un tube, parce qu'actuellement les démos fusent la toile. Voilà, mais en même temps, si je devais donner mon avis réel sur le dernier Safara Lobiang, c'est de dire que, en première chose, moi j'ai apprécié le son parce qu'il est dansant et c'est une danse qui intéressante, qui n'est pas trop compliqué à... Voilà, vous connaissez, non? Qui n'est pas compliqué à danser. Et j'aimerais bien féliciter l'artiste pour ça. Mais une autre critique que j'appellerais constructive, c'est de dire à Safara Lobiang que le rythme d'Abougor et le chanté d'Abougor ressemblent un peu à un lei. Voilà, si vous voulez, après, vous partez écouter le lei et puis vous écoutez un peu son tout dernier Abougor, vous verrez un peu, à part les roucascas, que c'est un peu la même chose. Bien que ce soit deux concepts différents. Voilà, je vous ai dit, si vous voulez que je sois franc, voilà, je ne dis pas que le son n'est pas bon. Le son me plaît, le son me plaît. Mais j'aimerais que l'artiste innove un peu. Voilà, c'est un peu dans le même style. Et lui et ses chorégraphes vont faire ce qui est nécessaire pour qu'on soit emballé, comme tous ses concepts précédents. Mais franchement, moi, j'ai senti un peu du lait. Voilà, on sent un peu trop la couleur. C'est-à-dire, si on enlève la voix de Safara Lobiang, si ses morceaux, on peut le reconnaître facilement. Et ça, c'est pas trop, trop intéressant pour un artiste. Voilà, un artiste qui se veut durer longtemps dans le mouvement, il faut vraiment changer un peu la couleur. Voilà, sinon, le morceau, il est intéressant. Le concept, il est bien réfléchi. J'apprécie, sans vous mentir, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se prononcer d'abord sur les deux gladiateurs, que je vais terminer sur Kérosène. Mewé et Koffi Olomidé. On parle de qui d'abord? Je vais faire d'abord un résumé pour que vous compreniez pourquoi ces deux-là parlent le même langage, en fait. Je vous explique. Bizarrement, dans la même année et avec des dates plus ou moins proches, ces deux vétérans de la musique africaine ont décidé de sortir un album. Voilà, un album qui résume, je crois, plus de 30 ans de carrière. Et bizarrement, pourquoi je dis qu'ils parlent le même langage? Parce que le titre de leur album, c'est donné de la même manière, Légende. Bizarre, non? Je sais que parmi vous, certains ne savaient pas ça. Le dernier album de Mewé est titré Légende. Le dernier album de Mon Pao Koffi Olomide est titré Légende. C'est bizarre. Bon. Quand on sait que dans le passé il y avait des petits palabres en ces deux-là, on ne peut qu'être heureux parce que je sais que tout est rentré dans l'ordre. C'est pourquoi je me permets de faire la promotion de leur tout dernier album. Et leur tout dernier album s'annonce comment? Je vais parler d'abord du grand Mewé qui n'est plus à présenter. Vous connaissez, voilà, c'est l'homme au Kura, beaucoup de prix. On va l'appeler comme l'intemporel Mewé qui traverse les années, qui est toujours à la page. Donc, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'aimerais bien qu'on lui rende un grand hommage. Parce que c'est l'un des rares artistes de... Pas de la décennie, mais c'est l'un des rares vétérans qui tient toujours le coup. Voilà, et lui, il s'annonce comment avec son album. Il a sorti un single qui a, je crois, une semaine, qui s'appelle Korokoto. Voilà, Korokoto, Korokoto, franchement, qui est très dansant. Et on a vu un peu
la gymnastique encore de, j'ai pas envie de l'appeler le vieux, ce vieux jeune là encore dans le clip pour dire qu'il a vraiment encore du jus en lui. Voilà, moi quand j'avais les clips, j'ai dit franchement, notre bohémien là, il n'est pas prêt à vieillir ce vieux là, il est vraiment vraiment pas prêt à vieillir. Et puis au niveau du thème vocal, pouah, ça n'a rien à voir, c'est toujours la même puissance vocale, la même technique vocale, en tout cas il est toujours top dans ses chansons. Franchement, je vous invite à aller écouter le tout dernier, mais oui, oui, c'est sorti il y a, je crois, une semaine seulement, une semaine ou huit ou neuf jours en tout cas, il n'y a pas longtemps. Donc je pense que vous pouvez aller encore donner un coup de pouce, redécouvrir l'artiste, parce que je sais que beaucoup le connaissent, il n'est plus à présenter. Voilà, c'est l'une des légendes vivantes de la musique ivoirienne. Voilà, donc vous tapez dans la barre de recherche Korokoto Mewé, où vous voulez Mewé Korokoto, la vidéo va sortir, je crois il est dépassé les 100 000 vues maintenant, peut-être que dans les 200 000 maintenant. Voilà, allez vous abonner, ouais, c'est la musique ivoirienne qui gagne, vous connaissez, vous vous abonnez, vous regardez intégralement la vidéo, vous commentez, vous partagez à tout votre entourage, parce que mine de rien, ce sont des vieux qu'on doit encourager. Voilà, s'ils tiennent jusqu'à aujourd'hui là, ils méritent respect et considération. C'est pourquoi le jeune héritant fait des vidéos hommage pour vous informer que ces deux dinosaures là ont sorti un album. Quant à mon Pao Mokonzi, le Quadra Kuraman, voilà, le roi de la rumba, comme il se fait appeler, comme on l'appelle, hein, c'est pas qu'il se fait appeler, de partout dans le monde. Lui, il annonce son album avec un titre qu'on appelle Élégance, qui est sorti, je crois, il y a près de 2 mois maintenant, près de 2 mois. Voilà, ça fait bientôt 2 mois que le morceau est sorti. Et puis, franchement, c'est là où vous voyez que le mec, il a rien perdu de sa saveur de rumba, il a toujours ça, parce que mine de rien, quand on parle de Koffi Olomide, c'est le père formateur de Fierégola, le père formateur de Fali et de bien d'autres encore. Voilà, il a été pour beaucoup dans la musique congolaise et on va dire aussi dans la musique africaine, parce qu'il représente et il continue de représenter dignement l'Afrique au-delà des frontières africaines, ça faut le reconnaître. Et je peux vous rassurer et vous affirmer que chef d'œuvre de papa Koffi Olomide, c'est pas du brick, c'est pas des braques. Donc, je vous invite à aller tester le morceau Élégance du père Koffi Olomide. C'est pas de l'amusement, c'est un chef d'œuvre. Voilà, vous allez comprendre pourquoi on dit c'est le roi de la rumba. Voilà, il s'est pas donné son nom là par hasard. Il a fait ses preuves. Je sais, ça fait combien d'années maintenant? Peut-être qu'il a dépassé les 30 ans de carrière, plus que ça même, je crois. Voilà. Le titre c'est Élégance, vous tapez Koffi Olomide, Élégance, ça va sortir. Puis allez écouter. Voilà, c'est un des titres qui figure sur l'album Légende du père Koffi Olomide. Et Korokoto de Mewé est un des titres qui figure sur l'album du père Mewé aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous invite tous à aller soutenir Omar sur les plateformes payantes, sur YouTube et partout où on parle de Koffi Olomide et Mewé. Parce que c'est deux légendes, oui, qui font sortir deux albums dénommés Légendes qu'on doit soutenir. Voilà, il y a vraiment besoin de votre soutien pour ces vétérans-là. Voilà. Cependant, on parle maintenant de Kérosène DJ. Voilà. Je vais un peu plus m'attarder sur Kérosène DJ parce que franchement, j'aimerais que vous, mes abonnés, vous me dites entre la victoire, le morceau Victoire original de Kérosène où il a chanté seul dessus et son featuring avec Black Cat, c'est quoi votre coup de cœur? C'est quoi votre penchant? Vous pouvez quelle victoire, le morceau Victoire remix avec les braquettes ou le morceau Victoire simple où il a chanté tout seul. Parce que moi, sans vous mentir, j'ai bien aimé le premier morceau Victoire, mais j'ai un peu plus de penchant sur le morceau Victoire remix parce que il y a une couleur nigériane dessus et puis franchement, les braquettes ont tellement bien chanté sur le morceau là que ça m'a emporté. Je me suis laissé séduire par ce morceau là parce que franchement. Kérosène aussi a encore montré une fois de plus qu'il a un thème vocal hors du commun. Il sait placer les notes là où il faut et puis il a vraiment représenté dignement la Côte d'Ivoire sur ce remix là. Parce que franchement, les Braquettes, c'est des gars qui sont super talentueux, très forts, on les connaît tous. Ils sont plus à présenter, mais disait Kérosène a tenu et il a très bien chanté ce morceau là. Donc, moi, pour ma préférence, c'est entre ces deux morceaux de Victoire là, je préfère le remix. À vous de me dire maintenant dans l'espace commentaire. Quelle est votre préférence? Moi, en tout cas, je suis plutôt remix Victoire. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le morceau de Kérosène, je l'ai déjà partagé dans ma communauté YouTube. Je vous invite encore à aller regarder. Vous tapez Kérosène featuring bracket Victoire remix. Ça va sortir.
vous abonnez, vous partagez, vous regardez au max et vous soutenez quoi. Parce que moi franchement, j'ai vraiment été suivi depuis. J'ai bien plus aimé ce clip là que le clip aussi de Victoire Originale, c'est-à-dire le premier morceau Victoire de Kérosène. J'ai bien plus aimé le deuxième clip avec les plaquettes parce que c'est un clip rempli d'émotions où on montre certaines scènes où il était en concert, où il était dans la rue avec des fans, où on voit, franchement, c'était un truc communicatif. Moi, j'ai vraiment aimé ce clip-là, donc je vous invite à aller le découvrir. Je compte vraiment sur votre soutien parce que c'est la musique africaine qui gagne. La musique africaine. Voilà. Kérosène, c'est un artiste ivoirien. Les Blacks, c'est un artiste nigérien. Soutenons. Voilà. Soutenons. 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 Bravo à DJ Kérosène. Bravo à Safari Obiang pour son Abougo. Espérons que ça prenne comme Woyo Woyo et Goumouli et consorts. Bravo aux deux vétérans, aux deux dinosaures de la musique africaine que j'ai nommé Mewé et Koffi Olomide. Que Dieu bénisse les carrières et soutenons la musique ivoirienne. C'était Hériton, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la au maximum et continuez de vous abonner. De belles choses arrivent. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.